Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me porte super bien, anyway. Alors, j'ai préféré vous faire cette voice-over juste pour essayer un peu de vous expliquer ce qui se passe ici. La fille que vous voyez là, donc elle se retrouve déjà dans notre vidéo précédente. Alors, elle s'appelle Belbiche. La fille ici, elle a été victime du viol. Donc, c'est sa mère qui avait programmé tout ça là. Sa mère, donc là, nous sommes dans une province congolaise, voilà, précisément au Bas-Congo. Alors, la fille ici, c'est sa mère qui avait programmé tout. Sa mère l'avait amenée, voilà, dans une province encore plus loin de là où ils habitent. Alors, elle avait déjà tout arrangé avec l'ami de son père. Alors, pour essayer un peu de l'abandonner là-bas, et puis l'ami de son père va sortir du coup, et puis pour la violer. Donc elle a été violée par l'ami de son père. Alors, et puis du coup, elle était tombée enceinte. Elle n'avait pas de soutien, elle n'a rien, donc soutien financier, faut comprendre. Alors, pas d'argent, rien du tout. Alors, elle s'est débrouillée pour élever l'enfant que vous voyez là. L'enfant que vous voyez là n'a pas d'appui. L'enfant que vous voyez là, donc, elle a juste, et il a, c'est un garçon, il a juste ce que vous voyez là comme habit. Et puis, sa mère a juste un panne. Donc, le panne là, c'est comment ils utilisent le panne la nuit pour dormir avec. Et puis, le matin, c'est le panne pour elle de porter. Et donc, c'est vraiment, vraiment, ça m'a vraiment choqué. Ça m'avait vraiment fait très mal. Et puis, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et puis, bloquée à l'hôpital, sans soutien. Alors, la team était toujours au secours, comme toujours. On avait payé le frais et puis, elle était sortie. Alors, la team est retournée encore voir la fille. Elle est toujours là, Belbiche, I believe, ouais. Belbiche, voilà. Donc la team est retournée. Donc là, la team avait acheté les pannes que vous voyez là. Et puis on a donné $15. Donc $15, imaginez-vous, déjà au niveau du village là-bas, dans la province, c'est beaucoup. Donc c'est juste pour l'aider à commencer un commerce qui va vraiment l'aider et tout. Et ne fût-ce qu'à commencer à vendre, ne fût-ce que la nourriture déjà préparée vous-même, vous savez. Et donc pour essayer un peu d'élever les enfants, voilà. Donc elle a fait deux enfants en fait. Avec l'ami de son père, c'était déjà fini. Alors sa mère avait programmé encore un autre homme et pour la détruire encore. Et cette fois-ci, elle a eu ces bébés que vous voyez là. Donc elle a deux en fait. Elle a deux bébés. Et donc voilà un peu ça. Donc c'est vraiment choqué, ça m'a bousculé et cette histoire, donc ça m'avait fort touché et j'avais pas la paix quand j'ai entendu son histoire. J'ai même parlé avec elle et parce que quand ils étaient là au village, alors du coup, l'homme de Dieu m'avait appelé et il m'avait passé Belbiche. Donc j'ai eu quand même la chance de parler avec elle-même. Elle m'a raconté son histoire et de là, mais non, donc j'ai dit non, je peux pas, comment je peux faire et pour essayer un peu d'aider et cette fille. Donc j'avais parlé avec elle, combien il était faux pour essayer un peu de commencer, ne fût-ce qu'un petit rien, et qui va t'aider et tout. Donc elle me dira, et Yaya, ne fût-ce que 5 € et $5, ça va m'aider. Donc là, du coup, on avait préféré de lui donner $15, elle a la main, et puis l'autre argent, c'est en francs congolais pour acheter les habits des enfants. Et donc voilà un peu ça, juste pour vous partager cette histoire, et puis je vous laisse suivre la suite. Merci bonsoir, beaucoup, hein. Que Dieu vous bénisse. Comment on a maman? Maman Bibiche, hein? Na moni on hôpital là, wali kola mbetu na hôpital. Et là, on y nobela ki. Papa malaria depuis 5 mois, il y a typhoïde. En tout cas, on a dit traitement, si pour le moment, ça va. Il y a des gens qui sont en bon goût. On dit c'est là, au moins, à Dino, le moment, il faut la mise en des mots, on s'attend à Dino. Merci beaucoup, Zambé. Hein? À Pambola, yo, nenge tozaki koya toyaki beaucoup puisque vous visitez Bino na Awa, na capitale ni bonde quoi. Nenge Zamba Sungi, et la maman comment on a? Maman Marthe, hein? Vous êtes libre, hein? Et la maman Marthe, hein? Et la maman, hein?
Mama Titi. Donc, nenge na yakiawa bino nyoso, hein? Parce que grâce à Nini, il y a juste un vide. Hein? Zambe vraiment pambola bino, hein? Ok, merci. Boza siko libre, bozonga la bino ba bandako, hein? Ok, merci. Bye. Zamba pate la bino. Ok. Obi? Ok. Ok. Bon, merci beaucoup, hein? Ok, merci. Bye. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Comment on a un homme? Comment on a maman Solange? Maman Solange, hein? Na moni un hôpital awa. Et là, on a un hôpital. Et là, comme ça, on a un hôpital. Moi, on a dit, on a un jeune garçon, mais on a un luba luba. Il y a un premier tout, parce que si on a un hôpital, on a Et si la, le quoi ton moni papa la biso aye aye ko sunga biso en tout cas toi ne sengo mingi nzamba pambola yo soko sungi biso nzamba ko tika ta bando pesa kaka o ezangi pona yo akokisila o papa c'est quoi juste en fait tenda décider que beaucoup plus pendant au foot pendant la libération hein o ko lo bani ne pona juste en fait en tout cas papa au futi mbongo nzambe pambola papa nani juste en vite nzamba pambola yo na komola Yesu abotisa o ezangi kati do ebak sa po ya kosunga tsoka. Ok, merci beaucoup. C'est juste un vite ndé after action hein. Nzambe a pambola so bino. Ok, merci. Maman Bote, hein? Oui, comment on a nyama? Marthe. Maman Marthe, hein? Na mon hôpital awa. Comment hôpital est né? Bondeko, hein? Obela ki nene. Obela ki libele. Libele? Obela ki sa ki nene. Libele vimba ki. E vimbi? E vimba ki makaz, ne? Ba opera ki? Ba opera ki te, ba bimse ki ba pina sereng. Ah, de traitement aux zui? Bonjour maman. Comment on a un homme? Ma Clarisse, hein? Na mon on a un ami balé en hôpital. Et là, on est sacré comme un hôpital n'a pas un ami balé. Oh, il a tout bien, la bibonne en bois à awa. Na ou pas de ça, la fièvre. Ah, la fièvre, vous constatez la malaria? Oui, la malaria, la bien fait. Parce que déjà traitement.
Je suis un groupe qui est un groupe.